Voilà. Bon, cette mission chasse, ça l'attendra. On sera au moins niveau 13. Du coup, quête. C'est quoi une quête temporaire? Fiche de quête. Je m'en fous. Lui, il me fait un peu chier avec ses pierres. On va aller faire son truc de chasseur là, c'est loin. À 200 mètres. Ouais, bah en fait, c'était à 200 mètres. Pourquoi est-ce que je me suis fait chier tout à l'heure? Hop là. Qu'est-ce qui se passe encore? On a la plaque, non? Des poivrons. La plaque n'était plus ici? Ah ouais, d'accord, ben allons-y. Par là, peut-être. Comment monter là-haut, du coup? Des bestioles. C'est dans mes cordes. Admirez la performance. C'est pas vrai. T'es pénible avec tes missions en solo. Moi aussi, je peux. Dans ce cas, je te laisse ma place. Ouais, mais là, on est buggés tous les deux. Merci. Alors, vous êtes où? Voilà. Super. Où ça va? Vous êtes des niveaux 2, on devrait moins galérer. Ne nous éternisons pas. J'ai glissé. Non. C'est plus sûr de se débarrasser des ennemis. T'es foutu. Allez, distance, distance, distance. Écoute. Faut pas que je rate. Allez, marque-les-moi. Allez, fumez. Non, utilise un assaut Eclipse pour affaiblir un ennemi. Non, oui, c'est bon. Avançons. Ok. Bon alors, on va pas y passer la nuit. Voilà, bah on n'a plus qu'à aller lui ramener. Hop là! Hop! Hop là! Et hop! Et... voilà! Ah, vous avez trouvé une plaque d'identité. Merci. Oh, non, c'est rien. On a fait que la ramasser. Essayez de pas trop penser au sort de ce malheureux. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Souvent, ça me travaille, ouais. Moi aussi. Ça me pèse. C'est justement pour ça que c'est important de récupérer ces plaques, même si c'est dur.
Mais si on se laisse paralyser par l'émotion, ça fera plus de familles qui ne retrouveront jamais leur plaque. Et ça, je peux pas l'accepter. Ouais, c'est certain. Je dis la même chose à mes chasseurs. Si vous trouvez des plaques, il est impératif de les rapporter. Eh ben ça c'est fait au moins. Il nous a donné 10 super potions et c'est pas mal. Bon. Est-ce qu'on a encore des quêtes annexes à faire qui seraient pas trop loin? Les composants, tout ça. Les ingrédients, ça, ça peut attendre. Et cette mission monstre, qui va attendre? Il va attendre. Du coup, on peut peut-être aller se faire la mission principale. Ouais, je pense qu'on peut se le permettre. Après tout, c'est le bon matin. La Régalia Alpolin. Quête. La quête principale et on fonce. Bonjour Hazard 4444. Un jour l'ambiance triste me dit mais tu t'as grandi, je réponds sans malice. Mais mon papa lui grandit lui aussi. Elle me dit je suppose que c'est une plaisanterie. Mais en voyant la chose, elle pousse un cri. Eh oui, mais de toute façon, c'est parfait. Dans le jeu, ils ont mis des musiques classiques de Final Fantasy. Mais moi, j'ai ma propre playlist, j'ai ma propre radio. Non, Dorothée, t'es pas censé être là, toi. Ah putain. Parce que c'est aussi ça le charme de ce jeu, c'est que je peux vous faire découvrir mon répertoire musical et tous mes goûts de merde en matière de musique. Eh ben, ça nous aura fait le trajet. Par contre, la monétisation, je crois que je peux dire adieu.
Ah, et je vois que Hazard s'est abonné, et ça me fait plaisir parce qu'on a atteint les 10. Oh. Ça vraiment, ça fait plaisir, merci. C'est sans doute le village dont parlait Sid. On va peut-être mettre une emote. Un repère de chasseur. Ils peuvent peut-être nous donner des infos. Ok, dans ce cas-là... Faites pas trop bourgeois, les gars. Ayez l'air de dur, un peu. On est des manouches, bordel. Au revoir, la moula. Tout pas regarder. Épée large. Elle est peut-être de meilleure qualité que celle que j'ai. D'ailleurs, j'ai jamais mis de ces machins-là, je devrais peut-être y penser. Cyclope, il me semble que j'en ai un, ouais. Bon, j'en ai. Javelot. Je sais pas s'il est mieux que celui que j'ai. Non, mais de toute façon, il y a que l'épée que j'ai pas, alors. Les affaires sont les affaires. Je vais peut-être en prendre une deuxième pour Noctis, du coup. Allez, à bientôt. Je vais l'équiper à Cladio tout de suite. Ah, on peut lui mettre un bouclier, j'oubliais ça. Je devrais peut-être en acheter un. Pareil pour Noctis. On va remplacer son épée large par l'épée là. Je me suis gouré. Et voilà. Là. Je vais remettre... je vais même mettre les dagues élémentaires. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser dans mon stock ? Et alors, à ce sujet. Est-ce que t'as... Non, t'as même pas de bouclier, en fait. Bon, tant pis. Mademoiselle. Heureuse de vous voir sain et sauf, Majesté. Monica. Mais où sont les autres? La plupart des soldats n'ont pas survécu. Bah, dis donc. Nous n'avons pu qu'escorter Mademoiselle Iris hors d'Insomnia. Dustin se trouve auprès d'elle. Ils ne tarderont pas à rejoindre l'Estaloum. Je vois. Je vous remercie. Faites vite. Le maréchal vous attend au tombeau royal. Aux quatre coins du royaume, les habitants déposent des bouquets de fleurs de cils de Ténébraille. À Alticia, les rassemblements se multiplient pour rendre hommage à la jeune disparue. En l'absence du corps de Dame Lunafreya, la robe de mariage qu'elle n'a jamais portée est devenue une sorte de relique. Certains refusent toujours de croire au décès de l'oracle. Pourtant, aucun démenti officiel ne nous est parvenu. J'espère que tu passes une bonne journée, perso les moyennes. J'ai passé la journée à glander, de toute façon... J'ai fait mes temps forts des streams précédents. J'ai regardé 2-3 séries, Dragon Quest, que j'avais pas. Que je m'étais arrêté à l'épisode 18. Faudrait que je commence My Hero Academia bientôt. Bref, on peut pas dire que. Ah, mais t'es là, c'est toi. C'est encore vous. Vous vous baladez dans le coin? Si vous trouvez des plaques d'identification, ramenez-les. Depuis le confinement, activité. J'ai pas beaucoup d'activités. À part samedi, quand j'irai bosser, ça, à la limite. Oh. On m'a dit que certains chasseurs l'appellent le maréchal. Drôle de nom. C'est parce qu'il est si fort? C'est pas ça. C'est un véritable. Je crois que c'est parce qu'il est pété Nice. Ah d'accord. Il fait partie de la garde royale. Ça explique sa tenue. Et pourquoi il se bat si bien. Cette tenue, ils sont tous en costard. Ils s'arrêtent jamais. D'abord Insomnia, ensuite Hammerhead, puis le tombeau royal. On aurait dû l'appeler Cor l'Infatigable.
Eh, hey, mais c'est pas aussi accrocheur que Cor l'Immortel. Survivre à Insomnia a encore étoffé sa légende. Ouais, la chance lui sourit toujours. Mais, ah bon? Il n'a pas besoin de chance. Tu m'étonnes. T'imagines quand même pas qu'il est sorti vivant de ses combats par hasard. Oh, c'est par là. Ben moi aussi je suis allergique au pollen, hein, quand ça te prend ça pardonne pas, mais ça va, j'ai des cachets qui font bien le taf. Fais attention. C'est pas le moment. C'est le moment de se concentrer. Quoi? Ignis, avec plaisir. Merde. C'est où? Ah, j'ai le bouton du lock qui est bugué, bordel. Qui est pété sur cette manette. Inutile de perdre du temps. Ça roule. Ah, y'a rien à faire. Voilà. C'était débloqué. On a piétiné des oiseaux sous le sol. Pourquoi Cor a choisi le tombeau royal? Sur le sol. Une curiosité morbide pour les anciens rois du Lucis. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Non, je me suis coupé. Fais gaffe! C'est ce que je te dis. Ah, pour une fois que j'avais loqué. T'es où, connasse? Ah, je te tiens! Ah, le travail! Et voilà! La prochaine fois, je prendrai l'autre manette qui est pas pétée. C'est ici. Wow, sacrément royal ce tombeau. Entrons pour trouver le maréchal. Maréchal. Tu en as mis du temps, Noctis. Bon alors. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Qu'est-ce que je suis censé faire, juste? Je suis gauchiste, vous en faites pas. Le roi des fonds. C'est comme ça que le pouvoir se transmet. Cette épée est le vaisseau de son âme. Revendique son pouvoir. C'est ton devoir de roi. Une drôle de religion. Mon devoir, mais mon devoir de roi de quoi? Il serait temps que tu prennes conscience de ta position. En tant que roi, tu te dois de protéger ton peuple. Ah ouais? T'aurais dû dire ça à mon père. C'est n'importe quoi. Mon père! Tout ce qu'il a fait, c'est protéger son propre fils. Noctis, jusqu'à quand joueras-tu au prince indolent? Tu es le roi. Il t'a confié cette responsabilité. Il me l'a confié, tu dis? Alors pourquoi est-ce qu'il m'en a pas parlé? Il souriait quand on s'est dit au revoir! Pourquoi? Je sais que c'est dur à encaisser, mais quand même, gueule pas comme ça. Ce jour-là, ce n'est pas en tant que roi, mais en tant que père, qu'il voulait passer un dernier moment avec toi. Il avait la foi. Il croyait en toi, le nouveau roi. Il savait qu'il pouvait te confier son peuple. Il m'a pas vraiment laissé le choix. C'est vrai, par contre. T'inquiète, il y a une fin alternative maintenant. C'est l'un des pouvoirs de tes ancêtres. Tu en es le digne héritier.
Ah ouais. Les armes fantômes renfermant les pouvoirs des anciens rois de Louis VI. Elles sont très puissantes, mais elles utilisent... consomment des PV. Vous tomberez rapidement en état de danger si vous en abusez. De plus, seul Noctis peut s'en équiper. Et elle ne permettant pas de déclencher des combos de parade, d'attaque avec vos alliés. Ah, ça c'est chiant par contre. Par contre, je vais peut-être... Je sais pas si je vais m'en équiper. Alors, l'arme fantôme, c'est laquelle? Apparemment, c'est celle-là, glaive du chage. On va l'équiper à la place du sort. Voilà. Ah, il peut avoir un sort de feu, lui, par contre. Cool. Milliers de bronze. 1000 de fer. Bon, toi, t'as plutôt une tête à voir bronze. En général. Accessoires. Étoile destructeur. Étoile vivos. Porte-bonheur. Toi, t'as pas une tête de porte-bonheur. Anneau de protection. Émail de fer. Et Claudio, anneau destructeur, anneau de protection, je sais pas, j'ai même Noctis, oui, Noctis, je disais, anneau de consomme. Accessoire qui accélère le... Ouais, pratique. Pratique. Bon, sinon... Ce n'est que le début. Tu dois encore obtenir la force des autres rois. Je te conseille de rejoindre l'autre tombeau royal qui est un peu plus loin. Les tombeaux royaux ne manquent pas par ici. Mais ils sont dans des zones dangereuses. J'ai donc décidé de vous prêter main forte quelque temps. Pour vous assister, mais aussi pour voir votre valeur. À propos des pouvoirs... Il y a combien d'armes royales? Il y en avait 13 au total. Chacune d'elles décorait un tombeau. Mais je ne connais l'emplacement que de quelques-unes. C'est pourquoi nous avons fait appel aux chasseurs. Leur aide nous est précieuse pour localiser les tombeaux restants. Ah, d'accord. T'as dit qu'il y avait un tombeau dans les parages? Oui, dans les tranchées de Kikatriche. Ce tombeau royal serait situé au cœur de la base souterraine. D'accord. Et bah c'est parti pour la quête aux armes ancestrales royales. Bonne nuit, Erzad. Les gars, il y a un petit problème par ici. Mais non. Ouais, c'est le moment de tester cette arme. J'avoue que m'impressionne. C'est... Ah putain, elle est vachement costaud. Non. Tu es de quel côté? Tu as fait exprès. Maréchal, vos coups sont dignes d'un jeune homme. C'est une question d'expérience. Reviens quand tu veux, hein. Je stream beaucoup en ce moment. De toute façon, tu peux y aller, hein. Moi aussi, je vais streamer encore une heure, je pense. Et puis basta, hein. Il y a bien longtemps, nous avons mené ici une bataille contre l'Empire. Après ce rude combat, le lieu a été abandonné. Puis ces chiens... Putain, ils sont garés là-bas, les enfoirés.
Ok, vous voulez vous battre? Je suis prêt. Comment on fait pour sortir d'un piège? J'active mon ultra instinct. Frontalement ou par derrière, selon la situation. Hop là. Hé hé. Hop, hop là, hop. Hé hé. J'aurais dû prévoir le thème de l'ultra instinct. Voilà. Il a la pêche aujourd'hui. Essaye. Voilà. Bon, je vais reprendre mon épée qui consomme un peu moins parce que. Non, concentre-toi. Plus tu comprends l'ennemi, mieux c'est. Tout va bien? Voilà. Merde, j'ai. Je suis parti dans le feu. Ignis, allons-y ensemble. Ah. Restin, il est où? Ah, il est là. Disparaît. Brillant. Évidemment. Pas terminé. La loupé. Voilà. Prompto, ça va? Tout à fait. Je vais bien, Maréchal. Une armure Magitech? Dangereux? Il se trouve que ces modèles-là possèdent une force de frappe. La version courte. C'est dangereux. Maréchal, faut être sacrément balèze pour affronter ce truc, non? Et tu penses être assez balèze pour t'en prendre à lui? Écoutez, je dis ça se tente. Je perds pas le rythme. Je vais prendre l'épée des rois là. Non, c'est que. Merde, il y en avait deux en fait. C'est le moment de tester. L'épée du roi. Quel est ton plan, Ignis? Je mise sur l'endurance. Il faut s'attendre à un long moment. T'es foutu! Je prends une petite potion là. Ah, fait du dégât aussi celle-là. Sois sans pitié. Voilà. Tu vois bien Noctis? Bien sûr. Aucun souci. Aucun souci, il nous a un peu pété dans la gueule, mais ça va. Apparemment, il y a un peu de minerai qui serait là. J'ai trouvé un minéral. Ah, c'est notre premier donjon. Voilà, c'est ici que nos chemins se séparent. Prends cette clé. Elle te permettra d'accéder aux autres. J'ai peur du noir. Trouve tous les tombeaux et récupère les pouvoirs qu'ils contiennent. Ils te seront utiles. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais surveiller l'Empire, afin d'essayer de comprendre ce qu'il nous réserve. Mais ne te soucie pas de moi, concentre-toi sur ta mission. Allez, en avant. C'est compris. Prends soin de toi. Allez, c'est parti. Fais gaffe quand même. Ça va aller. Ah, regardez. Il y a une porte. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il semblerait que des gens y habitaient. Qui vivrait ici?
Ceux qui cherchaient à fuir la guerre, probablement. Ah, c'est pas bête. Je me demande s'il reste encore des réfugiés. Oui, des gens qui vivent sous terre, mangent de la chair humaine, tout ça. Je me demande. Oh putain! Il suffit de le suivre pour le découvrir. J'aime pas trop où t'es en train de nous aventurer. Oui, ça en a tout l'air. J'espère qu'il marche au moins. On l'allume pour voir. Génial, ça marche. Oh, et la lumière fut. Ah, je suis content d'y voir plus clair. Putain, un groupe électrogène pour pouvoir s'éclairer le soir. Plus ça va et plus ce jeu ressemble à un jeu de gitan. J'ai cogné un truc. Fais attention, sérieux! J'ai failli avoir une crise cardiaque, moi! Oh, ça va! Ah! Un truc à ramasser. Oh, attention! Ah, le plafond menace de s'écrouler. On va peut-être pas dû courir. J'ai pas envie d'être enterré vivant, moi. Mieux vaut ne pas s'attarder ici. Ouais, bah, je t'en vais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Apparemment, il y a des gens qui sont venus picoler ici. Probablement des étudiants. Oh, j'aime vraiment pas du tout ce bruit. Non. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on nous observe. Et que si jamais on se retourne... Bouh ! Ah ! Pas ta mauviette. Poussez-vous! Hein? Poussez-vous, bordel! Ah. T'as déjà essayé de l'ouvrir? Non. Par contre, Prompto, tu vas un peu arrêter d'avoir peur dès qu'on essaie d'ouvrir une porte. Excusez-nous! Est-ce qu'il y a quel... Et encore une porte verrouillée! On s'y attendait pas. Je sais pas vous, mais moi ça me donne très envie de voir ce qu'elle renferme. Ouais, moi aussi. Il ferme jamais sa gueule, Prompto, en fait. Il veut streamer à ma place. Vous savez, peut-être que des gens sont morts ici. Et que leur âme en peine traîne encore dans le coin. Par là, peut-être. C'était quoi ? Non, non, tu veux pas savoir. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un joue avec nos nerfs. Hé, hey, une seconde. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je me prépare. Bon, je vais compter jusqu'à 3. Et quand j'arrive à 3, tu peux ouvrir la porte. Ça te va ? Allez. J'y vais. 1, 2, 3. Fermé. Et c'est fermé. Qu'est-ce qui se passe encore ? Bon, va falloir se bastonner contre des esprits. C'est d'ici que ça vient ? Je propose qu'on passe plutôt par là. On n'est pas passé par là, si ? Je crois pas. Ce trou m'avait intrigué. C'est un cul-de-sac. Oh, j'aurais dû m'en douter. C'est quoi ça ? Qui a éteint la lumière ? Pas de quartier ! Arrête un peu de te la jouer. Est-ce que... Je peux parler ? Putain de gobelins ! J'ai pas envie que ça finisse comme dans Goblin Slayer. Évidemment. Ya ! Ya !
c'est pas le moment de faire ça. J'ai pas fait exprès. Et il a chargé son coup pour rien. On bouge. Ouais. Bon bah, le générateur a dû lâcher. On n'y peut rien. On continue d'avancer. C'est de la merde, ces groupes étrangers. Oh putain. En vrai, je vais finir par le tâcher, ce costume royal. De l'élixir. Allons jeter un œil par là. Là, je m'aventure dans des endroits risqués. Et mince, encore fermé. Décidément, on n'a pas de chance. Ah. Pour une fois. Ah, pour une fois. Attendez, c'est quoi ce bruit? Ah, c'est une pile d'énergie, mais on a le plein de sorts de feu. Je sens que c'est la bonne. Mais avec quoi derrière? Restons sur nos gardes. Du coup, par contre, j'avais un truc à ramasser là, il me semble. Ouais. Ouais, c'était un cul-de-sac de toute façon. C'est beau. Oh la sale bête! Non, non, ça... Arrête de te la jouer sous l'eau! On est là, tu fais quoi? Putain! C'était un peu la honte là, non? C'est moi ou mes potes, ça fait un moment qui. Arrête avec ton défaitisme. Que leur jauge il. Ça monte plus. Va ici. Hey. Adieu. Y'a pas de place pour manier une épée ici. Attention à toi, Superman. Merde. Putain. Niveau 12, on est un peu dans la merde là. Là, attention. Alors lancer de la toile, la salope. Affaire réglée. C'est pas trop tôt. Affaire réglée. Donc pour les arachnophobes, hein, ça a du mal se passer. Par contre, je me rends compte que l'ancêtre, on l'a enterré vachement loin. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient? Poussez-vous. Ah, c'est le tombeau de papy.
Enfin. Oh, une hache. Ah, ça c'est intéressant, j'en avais pas. Attrapez-les, récupérez-les tous, les armes royales. Donc, il emprunte les pouvoirs de ses ancêtres. Plus ou moins. À ce rythme, il atteindra bientôt le niveau de son père. C'est le roi de l'occasion. Me cherche pas. Alors, ça fait quoi ? Ça me donne l'impression de faire de la magie. Te casse pas à nous préparer un spectacle. Mais mieux vaut quand même t'entraîner. Je vais me l'équiper. Ah, je préfère la hache en fait. Ouais, s'il te plaît. Allô ? Ouais. Tu réponds enfin. Je commençais à croire qu'on t'avait perdu. Bah oui, mais y a pas de réseau dans ce machin. Ravi de l'entendre. J'ai une mission pour vous. On a découvert que l'Empire a commencé à installer une base dans la zone ouest de Duskae. Il est impératif d'empêcher sa construction. Si nous les laissons faire, la zone ouest sera perdue. Et tu ne pourras plus continuer à collecter les armes royales. Monica a tous les détails concernant cette base. Tu connais Monica, n'est-ce pas ? Va lui parler de ma part. Du nouveau ? Pas vraiment. Juste un truc de l'Empire à détruire. Monica devrait pouvoir nous en dire plus sur le sujet. Retrouve Monica au repos des chasseurs. Ce genre de base militaire sinistre, on les remarque de loin. Ah bah on y a passé la nuit, putain. On est capable de faire ça, nous ? Si le maréchal le pense, ça devrait être dans nos cordes. Mais procédons dans l'ordre. Bon. Commençons par retourner au village. Ah, c'est que c'est pas la porte d'à côté. C'est parti. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont où ? Ah, putain de guépard de mes deux. Eh ben, la chance est contre nous. Ah, mais les niveaux 34. On se barre. Non, je me tire. C'est pas le moment. D'accord. Ah, je sais que la nuit est dangereuse, c'est pas la peine de le dire. C'est pas la peine de courir comme ça. Oh, j'ai un caillou dans ma chaussure. T'as qu'à l'enlever ? Ouais. Non, mais en plus, il pleurniche comme un gamin, quoi. Prompto ! S'il te plaît.
Alors elle est où la chef de... Je propose qu'on aille au sud de Longwis. Pourquoi? Tu veux juste passer au Crow's Nest, c'est ça? Je vois vraiment pas ce que tu lui trouves à ce resto. La bouffe est pas super, c'est vrai, mais cet endroit a quelque chose d'unique. Ah ouais, c'est comme le Hoster aux États-Unis. Le tremblement de terre de Duskae. Depuis longtemps, les séismes de basse intensité qui frappaient la région étaient attribués à la présence de l'Archéa. Mais depuis peu, tant leur fréquence que leur amplitude ont dramatiquement augmenté, provoquant une vive inquiétude chez les villageois. L'armée impériale collecte des données près du disque de Kotes, qui serait l'épicentre de ce phénomène. Nous informons les pèlerins que cette zone est désormais fermée au public. Parmi ces détritus, je trouverai le salut. C'est pas intéressant. Elle est où la chef, là, qu'on puisse parler? Le maréchal m'a informé de votre prochaine mission, Majesté. Nous avons découvert un point d'accès à la base impériale. Je vais l'indiquer sur votre carte. Cette zone est particulièrement calme. Vous devriez pouvoir entrer discrètement par là. Par contre, si ça te dérange pas, on fera ça demain, la tête reposée. Parce que c'est pas tout ça, mais il serait peut-être temps de dormir. Hey Noct, puis ils nous font quand même payer. Vidéo ludique. Encore King's Knight? Tu vas regretter ta proposition. Je peux pas vous laisser perdre tout seul. Hey, mon père est mort hier. Ah, et en plus c'est des jeux mobiles, leur Kiznag machin là. Alors 3. Ah, niveau 12, ben c'est pas si mal. Encore Prompto qui a la traîne. Putain Ignis, ramène-toi là. Fais chier putain. Ça fait une heure qu'on t'attend là pour jouer. Waouh, elle est cool celle-là. Les photos. C'est vrai. Je l'aime aussi. C'est de la merde. Ouais, celle-ci elle est pas mal. Gore. Ah, il est classe comme ça. De dos comme ça, il est pas mal. Ah, mais comment j'assure quand je veux? Moi aussi, je veux me téléporter. C'est pas juste. T'as appuyé pile au bon moment. Eh oui, quand on affrontait cette araignée de merde. Celle-ci, j'ai déjà pris. Ouais, j'avais déjà pris. Et celle-ci, parce qu'elle est bien merdique. Une photo de combat, parce que...